C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, béni soit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, béni son Saint-Nom. Alléluia, béni soit l'Éternel. Oh, c'est un autre jour encore, c'est un autre jour encore. Alléluia, c'est un autre jour pour bénir l'Éternel. Alléluia. Parce que chaque souffle que nous prenons, nous voulons louer l'Éternel, nous voulons glorifier l'Éternel, parce que c'est lui qui est notre source de vie. Amen. C'est lui qui est notre source. Alléluia. Et chaque jour, nous dépendons sur lui. Alléluia. Et c'est ça aussi, il a dit que je méditais sur l'Éternel nuit qu'un jour, je méditais l'Éternel. Même avant, nous mettez pieds, nous dehors, nous déjà qu'à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est la méditation. Amen. L'esprit, nous, les, nous sommes dans le rêve de méditer sur le Seigneur, méditer de Dieu. Nous sommes toujours dans la méditation. Je te dis que là, nous, quand on réveille, nous va déjà commencer. Qui ça m'a fait? Nous, déjà, à prier l'Éternel, tu es ma source. C'est l'Éternel, c'est toi qui m'a permis de réveiller ce matin. Je te bénis. Et puis, encore, qu'est-ce que tu veux? Je fais aujourd'hui quand la porte ce matin quand j'étais chez quelqu'un et quand elle a ouvert les portes nous dit nous dehors quand elle a ouvert les portes oh my god la création de Dieu il est merveilleux mais les fois nous prenons ce qui est autour de nous à légère même les oiseaux qui entrent le matin, qui attendent pour nous, ça même ouvrir notre porte, ouvrir notre fenêtre, il vient et puis il est dans la joie. Mais nous-mêmes, nos visages si conscients, qu'est-ce qu'on a fait là? Parlez avec les oiseaux. Parle avec. C'est pas tous les oiseaux qui viennent méchants. Et même là, ils viennent pour béquer sur ton petit fruit dans ta maison. Il vient, il dit que partage avec moi aussi des fruits que tu as là dans ta maison. Mais au cas de chouchou, pati. Et les fois, un petit bonjour, il voulait dire oui. Un petit bonjour, oiseau, il voulait dire. Mais les fois, l'esprit est tellement superstitieux. Au cas de sorti là. Oh, béni soit l'Éternel. Oh my God, comment il est bon. Il est bon, alléluia, de servir Dieu. Il est bon pour avoir l'Éternel dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant, c'est bon, c'est beau. C'est merveilleux. Alléluia. Et je bénis l'Éternel pour cela. Oh, il m'a fait beaucoup de grâce. Je suis tellement content que c'est lui qui est dans ma vie. C'est lui. Je ne parle pas simplement parce que c'est 10 ans. Depuis à 18 ans. 18 ans. Il est ma vie. Il est ma vie. Et je n'ai pas jamais, je n'ai pas jamais regretté que c'est lui qui est le Seigneur de ma vie. Alléluia. Il dirige nos pas. Il veut diriger ta part. Alléluia. Toutes tes parts, tout le chemin que vous voulez prendre, laissez Dieu faire. Laissez Dieu te guider. Laissez Dieu choisir l'homme de ta vie. Laissez Dieu choisir la femme de ta vie. Laissez Dieu diriger ta vie. La meilleure personne que nous pouvons laisser diriger notre vie, c'est l'Éternel Dieu. Dieu lui-même. Alléluia. Ok, dit que, mais pourquoi? Pourquoi il a déjà tout? Ouais. Toi aussi. Le tout qu'il a. Toi, vous, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Et il veut. Amen. Il veut tout ce qu'il a créé, l'homme qu'il a créé. Alléluia, devenir ses enfants.
Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Comme on t'a dit dimanche passé, nous parlons aussi de faire l'Éternel ton délice, faire l'Éternel ton sécurité. Faire l'Éternel ton sécurité. Pas essayer de chercher un homme pour sécuriser ta vie. Amen. Surtout vous les femmes qui déjà passé des cœurs brisés, hein, des temps difficiles dans ta vie, mais vous qui cherchez en sécurité, moi je voulais dire bon matin, ou madame, hein, la vie était tellement dure avec toi. L'homme qui brisait chez là, yo vini, yo parti, on l'autre ou pas un autre. Mais quand même, ou dit ka ou ka cherche ou ka attendre un autre accord. Hein? Pour vini briser accord ton cœur. Mais m'en vle dire, il n'y a un homme, Jésus Christ, il pas ka briser chez nous, jamais. C'est lui qui ka. Pensez ba nous, les nous les briser, c'est auprès de lui où tu peux venir pour guérir. Les fois où aller vers un autre monde, où aller vers un autre homme pour dire well, ton peut-être péché que guérit chez moi. Thomas a brisé, mais Tom qui guérit. Qui monde qui dit qui monde qui dit ça? C'est Dieu seulement qui peut guérir intérieur, parce que même là où joint Tom. Ton péché brisé, hein? Mais à cause de Thomas, ou ka porter ça, Thomas fait, et ou ka lever Tom avec, et ou ka mal agir avec Tom, à cause de Thomas. Mais seulement Dieu qui peut guérir notre cœur. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire, sécurisez ta vie en Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Il veut. Et nous, quand il lit ce que Somme te ka di nou. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole encore. Bénis ta parole. Alléluia. Nous voulons tant en parole parce que l'homme besoin tant. Comme le psalmiste dit, écoutez. Hear and listen. Listen. Et il parle pour les pauvres. Il parle pour les riches. Il parle pour les insensés, les senseless people. Hein? Moun qui pas ka comprendre le sens de vie, il parle pour eux. Alléluia. Ceux qui veulent ramasser, Dieu ramasser, yo vle ramasser le bien de la vie, le bien, combien maison sans partager avec les autres, il pas ka faire sens. Quand tu essaies de ramasser tout et tu ne partages pas, tu veux avoir beaucoup d'argent, je veux être riche. Et tu as tes parents là, dans la misère, et tu ne partages pas. Quel sens? Quel sens que ça va faire pour vous? Et voici, nous Kaili, en Somme 49. Il a adressé ça pour nous. Alléluia. 49. Amen. Encore, lis le premier verset. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Riches et pauvres. Pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent d'autres leurs biens. Amen. Amen. De 12. Amen. Ok, lis jusqu'au 14.
Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sous la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Mon Dieu. À 14. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Amen. Où tu vas aller? Tu lis à 14? Oui. Tu es arrivé à 14? Ok. Alléluia. Ok, nous voyons que il nous dit, écoutez, vous tous, nous toutes. Amen. Vous tous, riches, pauvres, ceux qui sont-ils grands, ceux qui sont-ils pas grands. Alléluia. Seule chose, hein, nous toutes, ça nous n'est à commun que nous qu'aimons. Nous qu'aimons. Sur la terre, peut-être, regarde, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les, comme il dit, que celui-là qui est haut, celui-là qui est bas, celui-là qui est insensé et tout. Mais il dit que nous tous, un jour, c'est la raison pour laquelle il dit, écoutez tout le monde qui est sur la terre. Il pas dit simplement, même les riches. Hein? C'est vrai. Hein? Ça concerne nous tous. Amen. Nous tous. Le riche et le pauvre. Il dit que ce que j'aime, ce que je veux vraiment concentrer sur. Why should I fear when evil? Sur verset 6. Le verset 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils sont confiance dans son bien. Oui. He boast in his wealth. Il prend plaisir. Alléluia. Il prend la fierté dans son bien. Alléluia. Il sentit qu'il est un grand homme. Il est le plus grand. Il est le plus riche. Il est le plus important. Alléluia. Mais tous ceux qui sont importants, il y a quelque chose qui va se venir. Tout le monde va passer. Alléluia. Tout le temps. Mais il dit qu'à verset 7, il dit... No man can buy. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Mais ils ne peuvent pas racheter l'un et l'autre. L'un et l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de votre âme. Très cher. Oh my God, c'est ce qui est important. L'argent ne peut pas acheter notre âme, il ne peut pas acheter notre salut. Même si tu dis que je n'ai mon bien et je donnais à les pauvres, c'est bien, il veut. Mais votre âme, est-ce que Dieu il a le contrôle de votre âme? Est-ce que tu fais l'éternel ton délice? Alléluia. Parce que nous voyons, les fois, même quand Dieu donne quelqu'un, même en petit travail ou ça, yo là, yo derrière les pasteurs aussi, prie pour moi, j'ai besoin d'un travail, prie pour moi, j'ai besoin d'une voiture, prie pour moi, j'ai besoin d'un mari. Là, yo trouvé mari, yo oublié Dieu. Yo oublié la croix, yo oublié genou yo. Là yo trouvé voiture, là yo trouvé travail. Yo pas même mêlé. Oh, je suis trop fatigué, je peux pas venir à l'église. Je peux pas même venir pour prier. Je suis trop occupé. Combien de vous qui dit ça? Je n'ai pas le temps. Ou ka di yo, nou ka y fè un louange pour glorifier, pour remercier le Seigneur, pour dire merci pour le bienfait. Je n'ai pas le temps. Ma pas ni temps.
Mon pas ni temps pour venir avec vous. Mon pas ni temps pour venir. Yo ke même dit allô, cochonisot, yo ke même dit. Fais attention. Fais attention de ce que tu dis, même que peut-être ou pas, si on entre dans Nom 16, nous que ouais, comment même quoi essayer de diminuer le serviteur que Dieu a choisi, Dieu a mis à place. Et le travail de Moïse, que Moïse est en train de faire. Fais attention comment tu moques. Amen. Fais attention de cela, ce que tu dis. Amen. Sur le vrai serviteur que Dieu a appelé et choisi, que tu n'appelles pas ce qui est bon, cochonni. Tu invites quelqu'un de venir à l'église, la personne dit que moi, dans votre cochonnerie là, je ne viens pas dans votre cochonnerie. Oh, ne dis pas ça, fais attention, répentez-vous. Répentez-vous. Amen. Et il dit que voici ceux qui mettent leur confiance dans son bien, dans son richesse. Et nous voyons cela, les hommes qui mettent leur confiance, rien qui dans leur bien, rien qui dans leur argent, leur entreprise, rien qui dans leur voiture, y'a pas ni temps pour un autre personne, y'a pas ni temps pour Dieu. Dieu, non, parle pas de Dieu. Si tout dans le pays français, il dit, non, parle pas de Dieu, même sur le travail. Nous sommes dans un lieu, comment y'a dit, lieu laïque. Un lieu public et ouais, laïque. Oui, non, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de Dieu. Mon Dieu. Oh là, nous caler. Hein? Que tu ne peux pas même dire, oh, à demain, si Dieu veut. On changeait en cet écart, dit que chaque fois, Paton a été dit que ne dis pas ça, ne dis pas ça. Quand il a dit, au revoir, bien-aimé, nous que ouais, demain. Mais si Dieu veut. Et c'est tellement vrai. Regarde comment l'homme qui a parti tellement vite. C'est vraiment si Dieu veut que je suis là, peut-être semaine prochaine avec vous. C'est si Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Si Dieu veut. Mais il dit non. Mais si nous parlons, ben, well, demain, encore, c'est le travail. Il aime ça. Oh, béni soit l'Éternel. Ceux qui mettent leur confiance. Ceux qui même, yo ka brague, yo pon leur fierté dans leur richesse. Mais laisse-moi te dire, ta richesse ne peut pas gagner ton âme. L'argent ne peut pas gagner un âme. Alléluia. Il ne peut pas gagner en âme. Celle qui peut gagner en âme, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons venu dire, ne mets pas ta confiance dans ton argent, dans ton travail, dans ton mari, dans ta femme, dans ta voiture, quel que soit. Oh là, tu mets ton confiance. Oh là que tu as pillé sur pour ton sécurité. Pas dans ton entreprise. Ne mets pas ton sécurité dans ça. Mais mets à l'Éternel. C'est lui seulement. Il dit que, yo peut pas, regarde. Yo peut pas gagner. Il peut pas assurer son âme. Alléluia. Il dit que c'est cher. Lis encore. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est cher. Le sang de bœuf et boule et goutte et bœuf, comment on dit, les oiseaux, pâté sa feuille. Le sang de Jésus-Christ qui a payé notre achat. Alléluia. Yes. Pour notre âme. Alléluia. Et c'est ça nous qu'a dit, pas votre argent, même si, ne confie pas, parce que dans un temps, nous qu'a ouais, glauque, juste pour tout ça, 30 ans, 40 ans,
Même 50 ans que tu as travaillé pour accumuler, pour amasser, et au cas où est glow capon tout, il a parti, feu capon tout, il a parti avec. Tremblement de terre capon, il a parti avec. La mort qui a fait quitter là, et c'est un autre monde qui a réjoui en disant. Et quand tu t'es nu devant Dieu, avec quoi? Tu n'as pas en sécurité en lui. Hein? Ta vie est doom. Ta vie est doom. Béni soit l'Éternel. Et un verset 9 ou 10. Oui. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. 10. Mm-hmm. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Mm-hmm. Car ils la verront. Les sages meurent. Ils voient les sages mort. Hein? L'insensé et le stupide périssent également. Oh, yo tout, nous tout. Oui. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Mm-hmm. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Mm-hmm. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Mm-hmm. 15. Alléluia. Non, mm-hmm. C'est bon. C'est bon. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mm-hmm. Réfléchis encore. Réfléchis. Mm-hmm. Au là que tu mets ton sécurité. Mm-hmm. Au là que tu investis. Au là. Alléluia. Mm-hmm. Regarde ce que Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 13. Luc chapitre 12, verset 13 à 21, Luc. Alléluia, béni soit l'Éternel, Matthieu, Luc. Alléluia. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Héritage d'accord. Ouais. Les biens. Ouais. Mon vlé, oui. Partager avec moi. C'est ce qui nous intéresse. Léon Mounmont. Léon Mounmont. Ah, c'est héritage. Tu as cherché. Qui ça a quitté? Oui. Là, il était là. Les fois, il est là. Il a attendu. Il a attendu ses enfants venir. Gardez, occupez, y'a pas mêlé, y'a pas mêlé, y'a pas ti malheureux là, allégé, il a sa maison là pour eux, y'a pas même Dieu vini là. Mais là, il mort, y'a intéressé de. Oh les papiers. Hein? Oh les papiers. À qui qu'il a laissé la maison? Nous ka ouais ça, famille qui ka. Séparé des confusions dans la famille. Mm-hmm. Héritage. Nous derrière, ouais. Nous qu'a fâché avec l'un et l'autre. Héritage. L'homme. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais celui-là qui est bon pour votre âme, vous pouvez chercher. Mais nous qu'a dit, cherchez ça. Ou qu'a ouais ça, bien-aimé. Ou qu'a ouais ça qui qu'a passé dans le monde. Ça nous qu'a goûté pour. Un moment, il qu'a parti et qui ça qui profite nous. Amen. Nous qu'a travaillé raide pour nos années et nous qu'a quitté fatigué d'amour, fatigué cœur. Hein? Et ou pas encore placer la bonne sécurité, ou pas encore mettre la bonne sécurité pour ta famille. Et continuez, my brother. Jésus lui répondit: Ô homme qui m'a établi pour être votre juge. Ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mm-hmm. fût-il dans l'abondance. Oh, Jesus. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Mm. Et je dirai à mon âme,
Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Cela sera-t-il. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Alléluia. Et il n'est pas riche pour Dieu. Pour Dieu. Ouais. Amen. Il n'est pas riche pour Dieu. C'est pas que Dieu veut pas que tu es riche. Oui, c'est là il faut. Alléluia. Mais il veut que tu es riche pour lui. Et ça, c'est premièrement notre priorité. Yes. Et c'est la raison pour laquelle que même là, nous avons cherché la guérison pour notre corps. Il nous dit, Jean nous dit que quand nos âmes prospèrent, quand Dieu, c'est vrai que les fois nous avons cherché la guérison, nous voulons guérison, nous voulons. Mais il dit que votre âme, il veut la prospérité. Il dit que tout notre égard va prospérer. Amen. Il dit, c'est quoi? Il peut profiter. Hein, regarde cet homme riche-là qui... comment il dit que... c'est celui-là qui dit qu'il ramassait tout. Il dit, verset 18. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, stupide, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ben là, c'est qu'il n'est pas même arrivé. Ça, tout ça, il a amassé. Il n'est pas même réjoui en disant. Il n'est pas réjoui. Il n'est pas réjoui. Parce que Dieu aussi voit l'intention de le cœur de l'homme. Hein? Oui, tu veux ramasser, tu veux avoir, tu veux bâtir. Pas qu'à dire non, pas bâtir. Mais oui, gars, il n'a jamais dit que, well, moi et mes serviteurs, moi et mes voisins, nous allons ciser, manger, boire. Il dit, moi. Mon âme, moi. Mon âme, je dis à mon âme, oh, mon âme, nous allons réjouir. Mais il n'a pas pensé à les autres. Yes. Son richesse était pour lui seulement. C'est moi. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps. Hein? Non, c'est mon âme. Je plantais, oh papa. Ces serviteurs-là qui étaient là avec lui, qui plantaient, ok. Maintenant, ils ont dit dedans. Maintenant, ils ont imaginé, juste imaginé. Ils ont tout amené, ils ont mené, ils ont dit, oh, vois, patron. Patron, bah, ils ont payé, et puis ils ont dit, oh, well, je n'ai pour combien de mois, ok. Il y a ni COVID, moi-même, moi qui restais dans la maison, moi et mon argent, je remplis tous mes greniers, je suis rempli de manches. C'est eux et puis le COVID qui est derrière là. Moi-même, je n'ai pas qu'à sortir. C'est moi, je veux manger tout mon plein, tout mon bien. Et le COVID fini, moi qui est sorti. Il dit foolish, you. Nom insensé. Nuit là peke même terminé et ou que plus c'est un autre monde qui ke mangé un autre monde qui ke bénéficié. Oh c'est terrible ça hein. Mais la parole de Dieu c'est la parole de Dieu hein. Amen. Alléluia. Alors c'est la raison pour laquelle que nous ka dire fais attention. Amen. Alléluia. Pourquoi que tu veux travailler, pour qui, pourquoi? Alléluia. Il dit que moi qui fais nan moi à comme at ease, mais il oublie son âme. Et Dieu demande à son âme. Alléluia. Il dit la même nuit, je veux répondre à ton âme. Et qui monde? Qui que manger et boire. Les fois, c'est
son propre ennemi qui a mangé. Oui, oui. Amen. Alors vous qui dites que tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as pas le temps même pour aller au culte. Tu n'as pas le temps. Parce que tu sais pourquoi? Je n'ai le boire, le manger, mais ni voiture, mais ni madame, mais ni famille, moi pas mêlé. Mais ni tout. Dieu ne m'a pas mêlé avec Dieu. Mais il dit que même après la mort, yes, ou qu'il est tenu face à face, il dit que je réclame un amour au soya. Nous ne pouvons pas l'étendre ça, bien-aimé. Après, vous travaillez tout ça. Laisse Dieu te donner cette récompense qui est là pour toi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que tu dois dire, si je n'ai en travail, Seigneur, c'est pour toi. Amen. Si je n'ai en maison, c'est pour toi, l'Éternel. C'est pour toi, l'Éternel. Premièrement, mon âme, la maison de mon corps, c'est à toi, Seigneur. Donne ton âme, donne ton corps à l'Éternel pour qu'il puisse te diriger. Alléluia. Donne ton âme. Il veut habiter en toi. Il veut. Et il veut, toi, tu réfugier en lui. Vous qui toujours aimez le Psalm 91. Et la psalmiste a bien vous dit, hein? Il bien vous dit, oui, c'est vrai qu'il y a toutes les promesses qui est là. Il dit, c'est lui-là qui demeure dans l'abri du Très-Haut, dans l'abri. Alléluia. C'est lui-là qui fait son demeure à l'Éternel et l'Éternel demeure à lui. Parce qu'il a ouvert sa maison que pour l'Éternel puisse habiter. Et il dit que l'Éternel dit que quand j'ai habité dans ta maison, c'est lui-là qui protège. C'est lui-là qui va mettre en l'ombre sur toi. Alléluia. C'est lui-là, il demeure chez toi. Hein? Mais si l'Éternel ne demeure pas chez toi, comment tu peux trouver la protection? Comment les flèches viennent? Les flèches vont t'atteindre. Alléluia. Parce que c'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. Les fois, c'est vrai, nous n'avons qu'à citer les versets. Et l'Éternel est près, loin de toi. Alléluia. Avec ta bouche, tu dis, mais ton cœur est loin de lui. Tu fais moquerie avec ses paroles, tu fais moquerie, mais tant quand tu as besoin, tu vas, tu prends le psaume de 91. Et tout partout, ou même les fois où tu as écrit, les tiens voisins, kabaolika, même écrit, mettez-en dans ton petit poche, dans ton petit truc là, les fois où tu as même piné sur ton vêtement. Mais non, laissez Dieu habiter dans ton cœur. Ce n'est pas les petits papiers qui ont été et puis qui ont été des sommes, et puis qui ont été des parfums en disant, et puis qui ont été en disant des trucs, et puis qui ont dit, oh là, vous allez mettre à attacher à son linge, non, attacher en disant, tchao. Amen. En dedans votre cœur, c'est là qu'il veut habiter. Alléluia. Dans votre cœur. Il ne veut pas habiter dans votre l'argent parce que l'argent qui est parti. Ou par attendre, il y a toujours dit que maintenant que l'argent, les dollars, les papiers, là, ça va partir. Il dit, il est parti un moment, il n'est plus encore. Il ne peut pas demeurer dans sa maison qui a parti. Il peut pas, l'Éternel ne peut pas demeurer dans sa maison, dans votre cœur, dans nos cœurs. Alléluia. En disant, tiens, nous, en disant, nous. Il veut. Alléluia. En disant nous, béni soit l'Éternel. La psalmiste nous dit ça, ça nous lit. L'argent là, la richesse ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter votre âme. C'est celle, le sang de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ.
Parce qu'il nous dit qu'il a aimé. Il nous aimait tellement. Dieu nous a aimés tellement. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a coulé son sang. Oui, alléluia. Alléluia. Reconnaître, alléluia, le prix qu'il a payé pour vous. Amen. C'est cette prix-là. Cette prix-là pour puisse avoir premièrement dans ta vie, Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça où besoin premièrement. Est-ce que vous pouvez laisser? Est-ce que vous pouvez avoir une chance dans ta vie? C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps, vous qui écoutez, quand la psalmiste vous dit, vous tous, pauvres, riches, quel que soit, ou malade, quel que soit, c'est nous tous, parce que nous tous, on joue. La mort, c'est pour tout le monde. Personne ne peut pas dire comment qui est échappé. La mort, oui. Tout homme. Soit maintenant, soit dans 10 ans, 20 ans, quel que soit, mais un jour. Et il dit que l'argent, le bien, les biens matériels ne peuvent pas racheter votre âme. C'est celle, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'éternel Dieu des grâces. Alléluia. Qui sait que profitez si vous essayez de gagner tout, avoir tout le travail. Ah, je n'ai pas le temps avec Dieu, je travaille. Je travaille. Lundi à lundi, ou qu'à travailler. Mais pas oublier qu'un jour, Dieu va réclamer votre âme. Yes. Et là, il réclame, il a pané un place, il n'a jamais siégé dans votre âme. Comment vous pouvez répondre? Est-ce que tu veux être comme cet insensé? Est-ce que vous voulez tenir ça? Après, vous travaillez combien d'années? Vous ramassez combien de milliers d'euros? Mais le jour que Dieu dit que je réclame votre âme, il a dit insensé. Ou pas jamais laisser en place là pour moi. Jamais. Alléluia. J'ai envoyé mon fils pour le salut de votre âme, pour payer, parce que tout ce que tu essaies de ramasser, il partait à payer le rachat de votre âme. Et il dit que insensé, ou pas voulez tendre ça, ou pas voulez. Vous qui un moment t'es que servi Dieu, mais tu fais les choses de la vie, peut-être en travail. Peut-être tu appuies sur toi à prendre des travails parce que vous voulez accumuler. Vous voulez ni ci, vous voulez ni ça. Travaille durement. Et quand même, tu es sur le point à perdre tout. Yes. Alléluia. Perdis la maison, perdis la voiture. Tu as abandonné ton Dieu. Peut-être pour un homme. Et un homme-là pas quand même bao le bonheur que tu as besoin. Alléluia. Mais qui ça y qui profite? La parole de Dieu qui dit ça. Qui ça y qui profite? Et Matthieu encore nous dit que cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement Dieu. Et il dit toutes d'autres choses va ajouter. Cherchez premièrement. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il y a ceux qui a beaucoup perdu des choses. Alléluia. Mais il dit que qui ça y qui profite? Laissez ça. Si vous perdez ça pour gagner Christ, oh, c'est le meilleur. Je perdis tout cela,
Je perdis peut-être une femme, peut-être un homme qui m'a quitté, qui m'a dit que, well, toi et ton Dieu là, je ne suis pas avec vous. Il dit, c'est meilleur. Amen. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Cherchez premièrement, pas un homme, pas amour un homme. Cherchez premièrement l'amour de Dieu. Cherchez premièrement la salut de Dieu. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes d'autres choses va ajouter. Dieu, il va prendre soin. S'il prend soin de moi, il va prendre soin de toi. Amen. Parce que l'Éternel, il est un Dieu qui est fidèle. Il n'y a pas qu'à nous avoir promesse dans un panier qui est en tout. Non. Dieu, il est fidèle. Alléluia. Si tu ne veux pas même croire ce que je dis, toi-même, prends la parole. Ou ça, prends n'importe. Prends la parole, prends la Bible. Oh, allez, si c'est un côté, couchez sur ton lit. Et crier, dis, l'Éternel, Dieu, si tu es un Dieu, parle pour moi. J'ai besoin de mon âme sauvée, parle pour moi. Mais je ne comprends pas ce que cette dame est en train de me dire. Mais si tu es l'Éternel, je veux que mon âme soit sauvée. Parle pour moi, dis-moi. Je te suis, il va te parler. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Pasteur Luciano, je peux te demander de prier. Amen. Alléluia. Oui, c'est important. Peut-être il y a quelqu'un qui est vraiment en train de reconnaître son état. Ou là, il a placé la sécurité. Son sécurité dans son richesse. Alléluia. Alléluia. Et il voit, il est comme cet encensé que Jésus a dit. Priez. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, papa, là, souvent nous avons pas fait attention de chez nous, hein, qui a fait des demandes et qui a fait des actions sans être conscient que c'est eux qui a bon. Quand nous bien tendons, c'est eux qui a pouvoir bon nous, c'est eux qui a bon nous et c'est eux qui a reprend aussi. Et des moments, nous avons attaché quand nous, on laisse ça au bon nous, papa. Et nous avons oublié. Oh, nous avons mis loin, loin et nous ne voulons pas parler de nous. Et bon, maintenant, nous avons un message là, nous avons une parole là. Nous avons repenti comme nous avons demandé pardon. Pardon, premièrement, parce que certainement, nous mettons un monde, nous mettons un matériel, un objet avant. Et même pas forcément, nous mettons avant. Nous ne pas enrichir comme nous. Nous déployons toute parole, nous, toute force, nous bas les choses de la terre. Mais nous ne pas déployer pour les choses d'en haut. Et qu'on bien bon nous l'exemple, mm-hmm. bien dit nous à la fin. Qui ça, pourquoi un homme qui a amassé trésor là pour lui tout seul et il pas qu'à riche pas bon Dieu. Si nous pas riche bas, oh, Seigneur, nous pas, nous c'est des insensés. J'ai dit nous ça. En créole, nous c'est des couillons. Si nous voulons pas riche bas, oh, nous c'est des couillons. Et souvent nous riches, si la terre, même l'homme qu'a vu nous n'y go loto, nous n'y go case, nous bien habillés, nous n'y tout ça qu'il faut, nous go travail, mais nous pas connaître tout. Et nous pas même vite en parler d'eux. Alors, ça veut dire, papa, là, regardez, c'est couillon, nous couillon. Et bon matin, là, nous demandons pardon pour ça. Et nous prions pour délivrer nous de cette mentalité, cette attitude qui pas glorifier nous et qui permet que nous-mêmes pas progresser demain. Parce que vous venez nous grandir en grâce et en connaissance. Alléluia. Ça qui pas connaît tout, Seigneur, vous venez nous faire des mitoires et chercher. Ça qui a méprisé, vous venez nous en expérience sévère aussi. Peut-être certainement, yon ka gade télé là, yon voue, en madame ou en homme, papa, qui t'en nous parle, ben, nous prier aussi, eve, pour l'onction, l'esprit au touché, revenez encore, que ou ka existé. Peut-être au fond de tchè, y pa ka kwe, y ka dit ça, c'est moun qui écrit Bible là, c'est un homme qui ka parlé. Papa, nous savent que ou une puissance pour révéler ou un homme. Et Jésus nous changeait que vous-même, te ka dit, pour moun ne peut pas venir jouer nous, si c'est pas papa là qui a attiré. Et si mon apprenant a regardé télé là bon matin là, ça veut dire que qui est même j'a dirigé vers vous. Et nous avons prié pour révéler à mon bon matin là. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Oui, montre-moi à qui mon ouye. Oui, et puis voit clairement, ce n'est pas simplement un nom écrit, mais c'est parce que vous avez existé au vivant et vous avez régné en les tout trône des noms. Vous avez régné en les toute galaxie, vous avez régné en les toute la terre. Parce que papa l'a établi, juge en les toute la terre. Et nous avons béni Jésus pour ça. Merci pour grand amour. Merci pour fidélité. Merci encore là où nous avons manifesté. Bon, maintenant encore dans la vie en homme.
dans la vie un homme qui oh, reconnaît qu'il a besoin. C'est vrai, ni la terre, il ni richesse, il mm-hmm. ni travail, il ni peut-être madame, il ni timoun, mais il a voit qu'il a manqué un bagage, il a reconnaître c'est vous. Et bon mm-hmm. matin là on interpelle, on fait voir clairement, c'est vous qui a accompli, qui a mm-hmm. complété la vie. Et papa nous prier puis recevoir entier. Nous prier pour vraiment papa interpeller et même autour entourage pour lui-même voir que mis a trouvé trésor là, c'est ta parole. C'est ta parole papa, c'est présence ça. Et pour vraiment papa vous glorifier nous en la vie. Oui, merci bien. Papa pour peut-être un jeune aussi qu'il a. Je n'ai pas ni l'auto ni l'argent ni toute bagaille, mm-hmm. mais il a senti une amaille soif. Et bon matin là, il tente télé là, il tente radio là, il tente Zouk TV. Et veille, il a remarqué que vraiment on peut pas les bailler à travers le message là. Mm-hmm. Seigneur, permette-lui recevoir en cœur. Nous prions papa pour recevoir complètement mm-hmm. dans notre cœur. Et papa pour permettre-lui être affirmé. Merci encore pour l'amour, merci pour fidélité. Peut-être son gouvernement aussi. Mm-hmm. Il y en qui a un gouvernement qui voit il chef, il peut-être directeur, ministre, député, quel que soit, mais il attend bon matin là que souvent il riche si la terre, il monde qui a noué si la terre et en ciel il pas riche. Il s'en couillon, papa. Alors, permettre-lui voir ça. Et veille repentir, quoi. Et veille bas gloire, reconnaître que c'est Dieu. Pour maintenant, là, papa, agis en la vie en homme, agis en tient en homme. Yes, et so. Permettre-lui, homme, là, repentir, quoi. Parce que c'est ça, ou venir pour faire, pour permettre nous repentir, quoi, nous, pour nous changer voix. Pour le moment, pas venir pour condamner nous, papa. Mais on venir pour nous, pour interpeller nous, pour montrer nous, en les qui chimé nous, comme marcher, qui pas qu'à glorifier nous. Et yon de chimé, on montre nous, bon matin, là. C'est pas attaché, quoi, nous, on les aïe. Pas mettre confiance en nous, on les aïe, papa, à part vous. Mm-hmm. Et autour de la terre, on peut montrer nous ça, plus que jamais, en génération, nous, on peut montrer, papa, dans différents pays. Yes. La monde pas qu'à attendre nous, glote que chahé kazayou. Mm-hmm. Yon veut glote chahé kazayou. La monde pas qu'à attendre nous, dit fait que brûler kazayou. Dit fait brûler kazayou, papa. Mm-hmm. C'est autant même pas qu'à attendre nous, en bagaille qu'à fait. Et meurtre, mm-hmm. la dieu. Papa, ça arrive à joindre l'éternel. Ça veut dire pas ni pour côté si la terre nous peut trouver en sécurité si ce n'est pas simplement en vous, papa. Et même si, papa, là nous avons sécurité, là dit donc, même si vont l'avenir, casse la crasé, même si dit fait l'avenir, brûler casse la, Seigneur, nous ne pouvons pas rester avant cœur malheureux. Nous qui savent toujours réjouir comme nous, parce que nous qui dit depuis bon Dieu, nous pas brûler. Depuis bon Dieu, pas mort, nous qui réjouir comme nous toujours, papa. Et moi, ça, vous qui avez une force pour virer bâti, papa, où est venu nous, et où là, pas simplement pour nous vivre la vie qui semble misérable, mais où venu nous prospérer, où venu nous ni matériel, où venu nous devenir riche, papa, c'est volontaire, où venu nous travailler, où venu nous ni tout, mais où qu'a prier, où qu'a demander nous, pas attacher chez nous en laissant. Et pas amasser personnellement pour nous pas venir égoïstes. Beaucoup de fois, nous sommes égoïstes, papa. La richesse qui a monté, nous avons trouvé qu'on est égoïstes. Et aujourd'hui, nous, en parole là, là, on voit la richesse qui a commencé à multiplier. Pas attaché chez nous, on l'a pas attaché chez nous, sans piège qu'il a. Et nous avons béni pour ça. Nous avons dit merci l'Éternel. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen et amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, alléluia. Merci gloire encore. À toi, merci, Seigneur. Merci pour vous encore. Et nous disons encore dans un autre soleil que le Seigneur te bénisse. Si tu veux d'autres informations, notre numéro de téléphone est là. Alléluia, il est affiché. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Et attache-toi à l'Éternel. Pas sur les biens que tu as, mais sur l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Sois béni. Amen. C'est par grâce. Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas.